tous et à toutes. On se retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo de l'année, la vidéo sur les produits terminés. Alors, j'espère que vous avez passé tous et toutes un bon réveillon et un joyeux Noël. Donc, ça y est, la fin d'année approche. Hein. Et donc, voilà, on va en profiter donc, pour faire un petit bilan à la fin de cette vidéo. Alors, donc, tout d'abord, on va commencer donc, par les produits terminés. On va parler de la section plutôt maison. Hein. Alors, j'ai fini ce produit nettoyant pour le sol, Carolin. C'est un de mes préférés. Il y a plusieurs senteurs. Mon préféré, c'est le bleu quand même, mais celui-ci, c'est un super bon. Donc, celui-ci, c'est bergamote et basilic. Donc, en effet, ça sent très, très bon et ça nettoie très bien. Il ne faut pas mettre énormément. Donc, ceux-là, vraiment, je les adore. Ensuite, on a terminé ce sheet désodorisant. Alors bon, moi, je suis moyennement contente. Il sent très bon. Il ne couvre pas totalement les odeurs, je trouve. Hein. Et en plus, si on ne se coupe pas bien le flacon, ça asperge, mais il y a des retombées. Voilà, donc voilà, assez moyen. Par contre, celui de cette gamme-là, mais qui était donc au chamallow, je crois que c'était. Par contre, il n'y avait pas de retombées. Alors, je ne comprends pas trop. Pourtant, c'est le même packaging, c'est la même marque et tout, sauf que ce n'est pas la même odeur. Bon, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, celui-ci a des retombées un petit peu quand même. Et voilà, je ne rachèterai pas. Ensuite, j'ai utilisé donc ce désodorisant. Donc, je l'ai jeté. Je n'ai pas pensé. C'est celui donc avec les petites billes. Et ma foi, bah, écoutez, j'en suis assez contente parce qu'il m'a duré vraiment longtemps. Et il est pas mal du tout. Donc voilà, je vous montre le packaging. Et donc, il y a des petites boules à l'intérieur comme les Airwick. Voilà. Il me semble avoir acheté chez Action. Ensuite, pour l'alimentaire, j'ai qu'une chose. Hein. J'avais acheté ce jus de fruits chez Noz. Hein. Alors, je vous le déconseille totalement. Il est vraiment dégoûtant. Voilà. Bon, après, voilà, on ne peut pas tout aimer. Mais là, franchement, le mélange de fruits, c'était vraiment pas top. Voilà, je vous montre le packaging. Hein. Voilà, je ne vous le conseille pas du tout. Personne ne l'a aimé à la maison. Donc, il n'y a pas que moi. Hein. Voilà. Ensuite, j'ai terminé ce spray. Alors, ce n'est pas un spray désinfectant, c'est un spray nettoyant que j'avais acheté chez Action. Vous avez souvent par lot de deux, il me semble. Voilà, je l'ai terminé. C'est pas mal parce que ça nettoie quand même un petit peu, mais c'est vrai que ça ne désinfecte pas. Mais c'est quand même assez utile puisque c'est un petit spray, donc c'est très bien. Vous pouvez le glisser dans le sac, partout. C'est sympa. Ensuite, donc maintenant, on va passer plutôt donc hygiène beauté. Alors, donc, je vous avais parlé d'une éponge que j'avais achetée. Une éponge naturelle. Je voulais tester donc pour me laver avec, pour changer du gant. Ben écoutez, j'ai complètement adoré, adopté. On fait une grosse économie de gel douche avec ça, mais c'est impressionnant. Franchement, je n'aurais pas cru. Et puis, c'est vraiment agréable. Donc du coup, j'ai demandé au Papa Noël qu'il m'en ramène une. Parce que je pense que quand même, ça va s'user assez vite. Bon, donc celle-ci, je l'avais payée vraiment pas cher du tout. Je c'était dans les... 3 euros, il y a encore, j'ai un doute. Voilà, je l'avais acheté dans un petit magasin, dans un polygone, et j'en suis super contente. Voilà, et donc le Papa Noël a été très généreux puisqu'il m'en a apporté deux. Et je vous la montrerai, voilà, je vous montrerai la semaine prochaine, peut-être dans le vlog que je prépare. Hein. Voilà, mes petits cadeaux de Noël. Donc ça, j'adore. Ensuite, j'ai terminé ce dentifrice Dentavi Bio. Il est top, franchement, je l'aime beaucoup. Ça ne rend pas les dents vraiment super blanches, hein, voilà. Mais franchement, il est très, très bien. Et puis, la compo, elle est top puisque vous avez 0% voilà, de dioxyde de titane, sans fluor, sans sulfate et sans triclosan. Voilà, moi, je l'adore. Franchement, il est très, 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 très bien. Voilà. Ensuite, j'ai terminé le shampoing donc, de cette gamme-là de chez Fructis à la pastèque. J'en suis pas fan du tout. Donc, c'est la gamme pastèque, hein, je parle, voilà. J'en suis pas très fan, donc autant que ce soit pour les cheveux, pour l'après-shampoing, pardon, et le shampoing, puisque bon, j'avais pris l'ensemble pour faire, voilà, justement le test, je ne rachèterai pas. Pourtant, voilà, j'ai les cheveux fins, mais non, je n'ai pas trouvé quoi que ce soit d'intéressant. Mes hommes ont terminé le Tahiti Vanille, hein, c'est leur préféré, voilà, rien à dire, toujours top, ils sont toujours contents de cette gamme-là. Après, j'ai terminé ce déodorant, j'allais dire désodorisant, de chez Sienne Bio. Alors, il est très, 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 très bien pour l'hiver,
pour l'été ne suffit pas. Il faut, surtout chez nous, bon, il fait des fortes chaleurs. Il faudra mettre au moins 2 fois dans la journée. Mais après, franchement, il est très très bien. Il est très doux. À l'aloe vera en plus. Bon, franchement, je l'ai adoré. Donc pour l'hiver, franchement, il suffit. Mais pour l'été, quand même, il est limite. Ouais, il faut quand même en mettre une seconde couche. Hein. Après, on a terminé ce Head & Shoulders à la coco que je ne connaissais absolument pas. Celui-ci, mais il est génial. Il est vraiment très très bien. Je l'adore aussi. Franchement, il est très très bien. Puis l'odeur, la crème, ça fait une texture crème. Voilà, donc oui, je reprendrai. J'ai terminé le savon gel douche offert par Fanny de Cottage, donc pomme d'amour. Franchement, il est vraiment très 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 agréable. Voilà, il y a bien cette odeur sucrée et d'arrière-odeur de pomme, pomme brûlée, pomme caramélisée. Voilà, ça sent très 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 bon, donc c'était très agréable. Je te remercie Fanny, j'ai passé un très très bon moment avec ce gel douche. On a terminé aussi ce dope, donc celui-là c'était quoi? Chocolat chaud, donc 1/4 de crème hydratante pH neutre, il est très très bien, franchement il est très agréable. Et l'odeur aussi est pas mal. Voilà, bon, ça sent surtout quand on se l'applique, quand on est sous la douche, tout ça. Bon, après, quand on sort, évidemment, on n'a plus la peau qui sent le chocolat. Mais vraiment, c'est très, très sympa. Voilà, on passe un bon moment avec ce gel douche. On a terminé ce nettoyant pour les mains de chez Yves Rocher. Donc, celui-là, c'était baie de minuit. Donc, il est très, très bien. Hein. Franchement, il n'y a rien à dire. Il lave, il sent très, très bon, très, très, très agréable. Donc, voilà. Vous voyez, pour le finir, j'avais mis un petit peu d'eau, mais bon, à force. Hein. Voilà. Non, non. Franchement, il était très, très bien. Après, j'ai terminé ce Colgate Max White. Donc, ça, c'était Christelle qui me l'avait indiqué. Enfin, bon, j'avais suivi suivant ses préconisations dans ses vidéos à Action. Voilà, donc je l'ai enfin trouvé et testé. Et franchement, il est très, très, très bien. Je l'adore. C'est vrai qu'elle a tout à fait raison, ce Colgate. Il est très, très bien. Donc, à l'occasion, quand j'en aurai un petit peu moins en backup, j'en ai moins qu'avant, j'avoue, je reprendrai. Voilà. Après, j'ai terminé cette gelée marine de chez Yves Rocher. Alors, donc, c'est pour démaquiller. Je ne suis pas fan. Voilà, moi, le problème, c'est plus au niveau des yeux. C'est là que je me maquille le plus. Mascara, etc. Mais au niveau du mascara, non, ça n'enlève pas bien. Après, j'en ai partout, j'ai du noir partout. Après, pour nettoyer le visage, pour enlever le fond de teint, déjà le plus gros, oui. Hein, mais pas du tout pour faire vraiment un vrai nettoyant. Hein. Pour moi, ça ne me suffit pas. Après, bon, chacun, on voit. Hein. Mais voilà, moi, je ne suis pas satisfaite à 100%. J'ai terminé cette huile de soin pour le corps de chez Aven. Alors, comment vous dire que c'est un gros, gros, gros coup de cœur. C'est fantastique. Hein, voilà. Donc, c'est une huile donc pour s'hydrater le corps. Vous n'avez pas du tout la peau qui colle. Ça ne pègue pas. Vous pouvez vous rhabiller une minute après sans problème. Franchement, elle est top. Donc, c'est, oui, huile de soin body peau sensible de chez Aven. Franchement, elle est fantastique. En plus, le flacon pompe, là, c'est comme un spray. C'est super agréable, c'est très pratique. Et franchement, j'en ai fait un bon moment. J'adore. Ensuite, j'ai terminé ce pchit magique micro-peeling sans grain de chez Garancia. Je n'ai pas compris à quoi ça servait. Franchement, moi, je crois que c'était un gommage. Mais franchement, j'ai rien compris, ça ne m'a fait... Enfin, voilà, j'ai pas vu d'effet. Dites-moi, vous, si voilà, vous avez déjà utilisé ce produit, quels ont été les bénéfices et les bienfaits. Moi, j'ai rien compris, j'ai rien trouvé. Donc, éclairez-moi. Bon, voilà, dommage. J'ai terminé ce gommage de chez Sienne. Donc, celui-là, c'était coco et huile de macadamia au sel de la mer morte. Alors, il était très, 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 très bien. Le seul truc, c'est que c'était un petit peu huileux. Donc, du coup, je m'en suis servie les 2-3 fois, j'ai testé sur les jambes, mais c'était trop huileux. Quand je sortais de la douche, ça faisait un peu gras. Donc, du coup, je m'en suis servie uniquement pour les bras et puis pour le reste du corps, mais sauf les jambes. Et franchement, il était très, très bien. Voilà, il gomme très, très bien. Et donc, là, j'en ai un autre de cette gamme-là, mais c'est un orange. Je ne sais plus trop quelle senteur, mais je ne l'ai pas commencé encore puisque là, il y en a un autre que je voulais terminer, que j'avais acheté bien avant. Voilà, donc je vais tester l'autre gamme, enfin l'autre senteur plutôt. On verra s'il est aussi huileux ou pas.
J'ai terminé ce gel douche délicieuse de chez Cartier Paris. Donc ça, c'est aussi Fanny qui me l'avait offert dans notre swap. Un bon moment, très 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 agréable puisque ça sentait le parfum de coulis de framboise. Une adoration. C'était vraiment très 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 agréable. Je crois que j'en ai eu pour 4 douches à peu près. Ça fait 40 ml, c'est sans sulfate. Franchement, Cartier, c'est une très très bonne marque. Donc j'ai bien aimé. J'ai terminé ce dentifrice Signal Intégral 8 haleine fraîche. Donc ça, c'est haleine fraîche, antibactérien au zinc minéral. Celui-là aussi, je l'aime beaucoup. C'est comme celui un petit peu aux plantes que je vous montre à peu près tous les mois. Là d'ailleurs, ce mois-ci, je ne l'ai pas utilisé. Mais franchement, j'en achète régulièrement et je les adore ceux-là. Après, j'ai terminé ce savon pour les mains à l'abricot. J'avais acheté ça chez Noza, donc c'est cette gamme-là, Arems. Franchement, il y avait plein de senteurs, je ne sais pas si vous vous rappelez. Donc, c'est un petit tiroir comme ça qui s'ouvre, enfin, une petite boîte, voilà, c'était très sympa. Bon, je l'ai terminé, mais il est très bien. Écoutez, moi, pour me laver les mains, ça a été très, très bien. Je crois d'ailleurs que j'avais acheté d'autres senteurs. Bon, pourquoi pas racheter quand j'en aurai moins, évidemment. Ensuite, ce gel douche Relaxing Ylang Ylang de chez Molton Brown London. Alors, comment vous dire qu'évidemment, ça, c'est le top, quoi. C'est un moment agréable, infini. J'ai adoré, adoré. Donc, ça coûte quand même assez cher, les grands formats. Je crois que ça, on est à les 18 euros. C'est génial. Voilà, j'avais ça dans une box, il me semble, dans la Look Fantastique. J'ai adoré. Voilà, donc si un jour, vous avez l'occasion de tester cette marque-là, Molton Brown, je vous conseille. Vraiment, vous allez vous régaler. Ensuite, j'ai fini ma petite éponge. Alors, c'est une éponge imprégnée pour nettoyer et en même temps, donc, ça exfolie un petit peu. Donc là, ça y est, il n'y a plus du tout de savon. Hein. Voilà, donc je vais la jeter. C'était dans un petit packaging que j'avais aussi dans une box. Bon, mais là, du coup, je l'ai jeté. Je n'ai pas pensé à vous la garder. Mais voilà, bon, c'était sympa, mais bon, ouais. Après, ça fait mal quand même quand on se frotte avec. Je trouve que ça frotte trop. Moi qui ai la peau sensible. Bon, j'en ai encore une comme ça à utiliser. Je vais l'utiliser, hein. Mais après, j'en rachèterai plus. J'ai fini aussi ce gel douche avec une odeur assez particulière. Hein. Donc, c'est marque Avena, gel de douche que j'avais acheté sur Makilalia ou Makiboti. 100 ml. Donc, c'est une odeur un petit peu, oui, de céréales. C'est un petit peu particulier, mais ça sent très, très bon. Comment vous dire ? Ça sent un petit peu la lessive, le savon de Marseille. Vous savez, ces odeurs un petit peu là. Ça sent très, très bon. Franchement, j'ai hésité. Mais finalement, quand je me suis passée sur le corps, c'est un effet un petit peu crème en plus. Donc vraiment, j'ai vraiment adoré. Voilà, donc ça, pourquoi pas un de ces quatre quand j'aurai moins de gel douche. Un jour arrivera où j'aurai moins de stock. Ensuite, mon chéri a fini cette crème Mermaid Skin Gel UV Can Make que j'avais eue chez YesStyle. Donc, c'est une crème qui protège donc des rayons du soleil et en même temps, elle hydrate puisqu'elle est SPF 50 pour le visage et le corps. Donc, lui, ça n'est servi que pour le visage. Mais franchement, j'ai remarqué qu'il avait la peau beaucoup moins rouge, beaucoup moins rosée. C'est impressionnant. Donc, j'ai vraiment bien aimé. Donc, du coup, là, il a rattaqué sur une autre crème dans ce style aussi que j'avais eu sur Sylvana, je crois, ou sur YesStyle, l'un des deux. Mais ils font à peu près les mêmes choses. Et du coup, voilà, il rattaque avec une autre crème dans ce style-là parce que, voilà, je trouve que ça le protège très, très bien. Ensuite, donc, il a fini le Fresh Cleaner aussi au Green Tea de chez... Fiesta ou Sylvana, je ne sais plus. Donc, celui-ci, il gomme, mais il y a des petits grains, mais c'est tellement léger que c'est un micro gommage. Mais en fait, pour tous les jours, pour se nettoyer, c'est très bien. Voilà, c'est vraiment pas du tout en profondeur, ça ne vous agresse pas du tout. Il y a une odeur un petit peu particulière. C'est marron, ça fait un peu bizarre d'aspect. Mais franchement, il nettoie très, très bien. Voilà, après, il ne m'a rien dit de particulier. Moi, je l'ai testé une paire de fois, j'ai bien aimé. Voilà, donc pourquoi pas, quand j'en aurais pu racheter, puisqu'il a bien aimé. Puis en plus, les produits, comme ça, vous savez, les produits coréens, la compo est top. Ensuite, j'ai fini mon sérum de chez Ojouvence. Je vais arriver à trouver le début, voilà. Voilà, que je vous ai montré en partenariat. Donc, j'ai terminé le sérum. La crème, je suis en train de la terminer.
je vous la montrerai la prochaine fois. Voilà, donc j'ai adoré, comme je vous ai dit, franchement, au niveau des ridules, je ne dis pas des rides, mais des ridules, franchement, je le vois, la différence, même là, au début, je ne le voyais pas, mais maintenant que j'ai fini la cure, mais même là, j'avais les traits là beaucoup plus marqués, je ne sais plus comment on dit, les traits du sourire, mais c'était beaucoup plus marqué que ça. Je ne sais pas si vous me voyez sur mes anciennes vidéos. Franchement, il n'y a pas photo, quoi. Tout ça, là, c'était bien plus marqué. Même là, au niveau des rides, bon, on en voit un petit peu. Mais franchement, je le vois, c'est... ça n'a pas tout diminué, non, ni les rides, les grosses rides. Bon, j'en ai pas, mais quand même. Franchement, moi, j'ai bien aimé cette routine. Hein. J'étais vraiment très, très contente de pouvoir tester ça parce que franchement, c'était super efficace. Voilà, avec ça en combo avec les patchs, super. J'ai testé des patchs contour des yeux de chez Kiko, des patchs énergisants, hydrogel. Et je vous avais montré dans un vlog, hein. Voilà, je les avais testés. Et ils sont comme ceci. Vous voyez, il y a des petits grains à l'intérieur. Moi, j'ai pas, sur le coup, vous savez, je n'avais pas trouvé sur le fait hein, que ça avait fait beaucoup de bienfaits. Mais en fait, une heure ou deux après, oh, excusez-moi, je fais que tomber des trucs. Une heure ou deux après, franchement, oui, en effet, j'avais les poches beaucoup moins importantes sous les yeux. Bon. Donc, c'est pas si mal que ça. Ensuite, j'ai testé ce sérum végétal de chez Yves Rocher, Rides et Fermeté. Ben, franchement, j'ai trouvé très, très bien. Très, 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 très bien. Donc, quand j'aurai plus du tout de sérum, pourquoi pas tester cette marque. En plus, c'est une gamme, je crois, permanente chez Yves Rocher. Donc, à tester encore un petit peu plus amplement. Après, ce masque concombre de chez Action, c'était un lot, il y en avait plusieurs, qui est vegan, etc. Bon, celui-là, il faisait quoi? Hydrate au jus de concombre. Bon, j'ai rien trouvé d'exceptionnel, mais c'était agréable. Après, j'ai testé ce sérum de chez The Body Shop, Drops of Youth. Donc, franchement, très bien aussi. Et en plus, il a des vertus traitantes pour la peau. Donc, si vous avez des boutons, des rougeurs, etc., il est vraiment bien, vraiment bien. Donc, pourquoi pas ça aussi tester dans un format un petit peu plus important ou un format voyage, pourquoi pas. Parce que franchement, ça, voilà, ça m'a bien botté. Ensuite, j'ai testé ce masque que m'a offert Christelle. Donc, packaging vintage, j'adore tout ce qui est vintage. Mais écoutez, c'était pas trop mal. Franchement, c'est un masque très agréable à faire. Hein. Voilà, ça m'a bien repulpé la peau. C'était sympa. Voilà. Bon, après, je ne sais pas où elle les a trouvés, mais c'était vraiment très, très bien. Ensuite, celui-ci aussi pour les pores invisibles. Voilà, j'ai remarqué un petit peu moins de bienfaits. Mais il était très, très, très agréable aussi. Franchement, j'ai passé un bon moment. Voilà. Après, j'en ai testé quelques-uns quand même parce que j'en avais tellement que je n'avais pas ouvert. Alors, celui-ci, le léopard que je vous ai montré aussi, je crois, dans un vlog. Bon, écoutez, c'était pas mal aussi. Celui-là, il traite, je crois, un petit peu aussi. Hein. Il me semble que c'était pour la peau, pour nettoyer la peau. Oui, il y a un effet anti-inflammatoire, anti-irritant, etc. Donc celui-là, ouais, j'avais bien aimé aussi. Celui-là, je crois que c'était de chez Action. Après, j'ai testé celui-ci hier soir. C'est Fanny qui me l'a offert de la marque Florève. Et bien, franchement, il raffermit la peau, réduit l'apparence des rides. Bon, mais franchement, ça m'a bien... J'avais la peau bien tendue. C'était très, très agréable. Donc, il est au collagène et aux graines de Tara. Voilà, je vous remontre parce que je ne connaissais absolument pas et franchement, j'ai adoré. Et pour finir les masques, j'ai testé celui-ci que j'ai eu, je ne sais plus où d'ailleurs. Bon, moyen, je n'ai pas trouvé trop d'intérêt, mais bon, c'est toujours sympa de faire un masque. J'ai jeté un rouge à lèvres de chez NYX à mon grand désarroi, puisqu'en plus c'était un mat et une couleur que j'adorais dans les roses, vous voyez comme ça, j'adore. Mais il s'est cassé. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais c'est vrai que j'en ai un autre de cette gamme-là. Il est très mou, je trouve. Et il ne faut, vraiment pas monter trop le grain. Parce que le raisin, on dit plutôt le grain.
C'est moi qui ingrène. Il ne faut pas trop monter le raisin parce que c'est vrai qu'ils ont tendance quand même à se ramollir, je trouve. Donc celui-là, il est complètement mort, je suis obligée de le jeter. Après, j'ai terminé. Alors là, par contre, je vous dis, c'est une révélation. Pour les soldes, je vais me l'offrir. C'est Narciso Rodriguez, For Her. Donc ça, c'est un échantillon qu'on m'a offert Fanny. Je te remercie parce que là, j'ai découvert une pépita. Mais j'ai adoré ce parfum. Mais c'est une adoration. Je te remercie du fond du cœur parce que je ne le connaissais pas. Bon, par contre, il coûte une blinde. Mais c'est pour ça que je vais attendre les soldes là. Et une révélation. Donc, Narciso Rodriguez For Her. Eau de parfum. Une adoration. Donc, d'ailleurs, je me le remets là pour penser à me le reprendre bientôt pour les soldes. Et donc, maintenant, on va passer à la catégorie ambiance bougie. Donc, j'ai terminé deux bougies. Alors, une, c'est une Yankee Candle. D'ailleurs, j'ai oublié le chapeau. Je ne sais pas où il est. C'était Éclat de Safran. Vibrant Saffron. Elle n'était pas trop mal. Franchement, elle s'est bien consumée. Voilà. Elle était pas mal du tout. Bon, il y a eu d'autres senteurs mieux ou moins bien. Elle est moyenne, donc ça va. J'ai passé un bon moment avec cette bougie. Ça m'a duré assez longtemps, évidemment. Pas mal du tout. Ensuite, j'ai terminé une bougie Glade au chocolat miel. Alors, je vous montre le packaging parce que j'ai jeté le verre. Hein. Franchement, si vous adorez l'odeur de chocolat et de miel, allez-y foncez. C'est un vrai régal. J'ai adoré. En plus, j'avais une promo, une achetée, une offerte. Donc, franchement, je suis trop contente. Ça sentait trop, trop, trop bien. Et ensuite, j'ai brûlé une bougie Airwick Vanilla Crème. Donc, celle-là, je crois que c'est Christelle qui me l'a offert. Vanilla Crème. Elle sent trop, trop bon. Franchement, Airwick, j'adore. J'adore. C'est une odeur, mais alors, toutes les Airwick, en général, elles se diffusent très bien. Ah ouais, même là, je sens encore un petit peu le fond. Vous voyez, tout s'est bien brûlé. Elle est top. Franchement, j'ai adoré. Alors, donc maintenant, c'est l'heure du bilan. Alors, donc, cette année, ça a été donc une année vraiment extraordinaire. C'est l'année où vraiment ma chaîne s'est un petit peu plus développée. Donc, j'ai commencé à avoir pas mal de partenariats. J'ai dépassé les 1000 abonnés. J'ai créé vraiment de belles amitiés. Voilà. Donc, je vais vous donner quelques noms de chaînes que j'ai vraiment adorées, avec qui j'ai voilà, une accroche, que je regarde souvent. Enfin, j'essaye, je n'ai pas trop de retard. Donc, je le dis en désordre, hein, mais je les aime toutes. Hein. Donc, vous avez Life Sunshine, Beauty Gold, Créanat Passion, Les Bavardages de Seb avec Christelle, évidemment, la pétienne Cristal, Super Nana, Clochette Beauty Box, Les Bons Plans de Christophe, hein, Nini Beauty, Beauty with Jenny, Sissi Makeup, Chris Beauty, Allo Aloha, Amelove, Aurélie Sanchichi, Beauty Lovely, Christy en toute simplicité, Cindy Makeup 59, Chris Colors, Lao Tai Boti, Le Petit Monde de Belouchette, Le Petit Monde de Nini, La Passagère du Temps, Epola Latina. Il se peut que j'en ai oublié, je m'en excuse, mais normalement, voilà, j'ai fait vraiment le tour. Donc, surtout, ne vous vexez pas si je vous ai oublié. J'ai quand même essayé de faire un petit, voilà, un petit bilan. Normalement, j'ai oublié personne. Donc voilà, j'ai créé de belles amitiés avec beaucoup, beaucoup de personnes donc, qui font aussi des vidéos. C'est génial, voilà. Après, j'ai eu des déceptions. Ça, c'est sûr que bon, mais ça peut arriver. Mais bon, voilà. Next, on passe à quelqu'un d'autre, on passe à autre chose. On n'en parle plus, c'est fini. Voilà, donc j'ai ce petit cocon d'amis YouTube et je suis très, très, très contente d'en faire partie. Ensuite, au niveau des abonnés. Je voulais tous et toutes vous remercier du fond du cœur. C'est grâce à vous qu'on en est là. C'est grâce à vous que j'ai voulu, que je me développe. Hein, et je vous remercie vraiment du fond du cœur. Donc, je vais en remercier quelques-uns et quelques-unes. Donc là, je vais remercier vraiment mes abonnés. J'ai déjà remercié les autres personnes d'avant donc, qui me suivent aussi en étant youtubeur ou youtubeuse. Hein.
La menace est vraiment abonnée. Donc, il y a Marie-Pierre Jouin, Christelle avec deux L, Soso est là, Nathalie Ségur, Tiffany Nini, Zara Zara, Puce 21, Laetitia Martel, Miss Biscuit, Margot Chala, on a Marie-France et Charlène, Armel, Nelly, on a Sandrine fois 2 ou 3. J'ai plusieurs Sandrine, je vous embrasse toutes. Il y a Céline, l'étoile filante 59, j'ai Sève, des Isabelles aussi, je crois que j'en ai 3, je vous embrasse toutes. Émilie, Stéphanie, Katia, Nathalie Hermans. On a Colorful Palette aussi. Merci beaucoup pour tous tes messages. Et puis Colette aussi. Voilà. Enfin, vous êtes d'innombrables abonnés à me remercier régulièrement de mes vidéos. Moi, pourtant, je n'ai pas l'impression de vous donner quelque chose, de vous offrir quoi que ce soit. Juste être moi et rester surtout comme je suis. Je vous assure. Le plus important pour moi, c'est de rester naturelle et de continuer mon contenu. Et puis voilà, de faire des choses qui vous plaisent. Et surtout, moi, de me faire plaisir. Et si vous voulez plutôt m'épanouir dans ce que je fais et surtout avoir un échappatoire à la vie, la routine de tous les jours. Je voulais aussi vous remercier de vous être abonné à ma seconde chaîne. C'est vrai qu'en ce moment, le mois de décembre a été compliqué. Je voulais faire plein de choses pour Noël, mais vraiment, j'ai pas pu. Voilà, j'ai pas pu, j'étais très fatiguée. Et puis c'est compliqué décembre parce que voilà, il y a beaucoup de vidéos à faire, il y a les vlogmas, il y a beaucoup de choses à préparer. Puis bon, eh bien, après on a tous notre vie autour, moi j'ai une famille aussi à la maison. Bon, si je vivais seule, c'est sûr, j'aurais plus de temps, mais là c'est pas le cas. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué, mais voilà, je vais essayer donc à partir du mois de janvier de réapprovisionner cette chaîne, puisque bon, le loisir créatif fait partie de ma vie de tous les jours aussi. Donc voilà, il n'y a pas de raison. Voilà, je continuerai l'année prochaine sur cette chaîne-là aussi. Donc sur ce, après ces blabla, je vous remercie encore énormément d'être là. Même des fois un petit pouce, un petit cœur, un petit coucou. Je suis super contente, vous me faites vraiment plaisir. Merci à tous et à toutes d'être encore là après ce petit blabla. Je vous aime, mes amis. Je vous embrasse très, très fort. Et puis, je vous dis à l'année prochaine et profitez bien de votre réveillon du jour de l'an. Je vous embrasse. Bye bye.